romantic way, falling a first love for the Lord when they turn to him. Il y en a qui ont expérimenté de manière dramatique. La première fois ils sont venus au Seigneur, l'amour, le fait de tomber amoureux du Seigneur. Actually, coming back to our first love for the Lord Jesus is coming back to just what a normal Christian life was for many of us. En réalité, revenir à notre premier amour pour le Seigneur Jésus, c'est revenir à ce que la vie chrétienne était pour plusieurs d'entre nous. Quand j'avais donné mon cœur à Jésus, for about 3 months, pendant environ 3 mois, so that I don't exaggerate, pour ne rien exagérer, I think I was conscious of having sinned only about 2 times. Je crois que j'étais conscient d'avoir péché. Je crois que pendant ce temps-là, c'est environ 2 fois que j'étais conscient d'avoir péché. I lost my anger when I was playing football. J'avais perdu ma colère quand je jouais au football. Je me suis mis en colère, pardon, quand je jouais au football. And there on the spot. Et là, sur le plan, j'avais décidé que je n'entrerai plus jamais dans un terrain de football to play. Pour jouer. And I have never gone back. Et je ne suis plus jamais retourné. Because the students with whom we playing. Parce que les élèves contre qui nous étions en train de jouer, the problem was that there was a boy called Le problème c'est qu'il y avait un garçon. Either the devil or God sent him after me that day. Soit c'est le diable ou Dieu lui-même qui l'avait envoyé contre moi ce jour-là. I was playing right wing. Je jouais à l'aile droite. He went to left wing on his side. Il est allé à l'aile gauche de son côté. And every time the ball was on me. Et chaque fois qu'on m'envoyait le ballon, he did not kick the ball. He kicked me. Ce n'est pas le ballon qui l'intéressait, c'est moi. Il me poudait. He did not even make an attempt. Il ne faisait même aucun effort to kick the ball. Pour poudre le ballon. It was me that. C'est moi qui était sa cible. When the ball was on me, dès qu'on m'envoyait le ballon, he would kick my shin bone, kick. Il me poutait, il me talonnait. So I went to our own captain. I changed to the left wing so that I can avoid him. Et après, je suis allé à l'aile gauche pour l'éviter. He changed to the lui aussi, il a changé pour aller à l'aile droite de son camp pour me rencontrer. Every time they pass me the ball. Chaque fois qu'on me demandait le ballon, comment envoyer le ballon? Chaque fois qu'on me passait le ballon, he would kick me. Il me poutait, me poutait. And I was patient, but the patience was wearing out. Jusque-là, j'étais patient, mais à mesure qu'il le faisait, j'étais en train de perdre patience.
One time he kicked me so badly. Un moment il m'a taclé si mal. Il m'a botté. I got angry. Que je me suis mis en colère. What's wrong with you? Mais qu'est-ce qui va pas avec toi? I said, do it again. I'll slap you. J'ai dit, si tu oses encore, je vais te gifler. The whole team gathered. Et toute l'équipe s'est réunie. My side plus his side. Mon camp plus son camp. They said, Andosé has gotten angry. Et il jubilait. Andosé s'est mis en colère. Holy King has committed sin. Quand nous venons juste de croire, the name of Jesus and being a stumbling block for other people was a horrible thing. Le nom de Jésus et la possibilité d'être une occasion de chute pour d'autres personnes, c'était si horrible pour nous. There on the spot, là sur le champ, my anger finished and I begged them to forgive me for betraying the Lord. Ma colère s'est estompée et je les ai suppliés de me pardonner d'avoir trahi le Seigneur. I left the field. Je suis parti du terrain. And I've never gone back to play. Et je n'y suis plus jamais retourné. It was a shame. C'était une honte. To give those who were watching me an opportunity to mock. D'offrir à ceux qui me observaient une occasion de se moquer. The second time I was playing ping pong with a brother. La deuxième fois, j'étais en train de jouer au tennis de table avec un frère. Alex. Alex. So I did some smashing. Donc j'ai smashé. And the tennis hung around the net for a long time and then fell into Alex's camp. Alex's court, which was supposed to be my point. Then Alex was saying that no, the tennis fell instead on my side, which is supposed to be his point. So I said, well, two believers, we have come to a table tennis court to argue about one point. I took my bat, I put it on the table, and I told Alex, I will not touch this thing that made me argue with my brother again for at least 1 year. And I did not play tennis again. For 1 year, I did not touch the bat. Il s'est donc passé, quand j'ai smashé. So, when the life of God invaded us, quand la vie de Dieu nous envahissait, quand la vie de Dieu nous avait envahi, it was real. C'était réel. In those two occasions, for the first 3 months that I remember, I'm told that I committed a sin. C'est en ces deux occasions que je me souviens avoir commis un péché pendant ces 3 premiers mois quand j'avais donné ma vie à Jésus. The first love for the Lord was real. Le premier amour pour le Seigneur était réel. I preached to hundreds of students. J'ai prêché à des centaines d'élèves.
Our school had a total of 400 students. Notre établissement avait 400 élèves en tout. In 6 months, en 6 mois, my small fellowship was 80, around 86. Mon petit groupe d'élèves, de croyants, avait environ 86 membres. And we met 3 times a day. Et nous nous réunissions 3 fois par jour. For short short periods. Pour de courtes réunions. Not in the boys' dormitory. Dans les dortoirs des garçons. At 5 o'clock, we woke up everybody. À 5 heures du matin, on réveillait tout le monde. 40 minutes before the other, before the official waking up time. 40 minutes avant le réveil officiel. So that we can pray. Afin de pouvoir prier. During the day, pendant la journée, we had a short break, long break. On avait une courte pause et une grande pause. And another short break. Et puis une autre courte pause. During the long break, pendant la longue pause, everybody was to pray. Tout le monde devait prier. In a busy boarding school, dans l'internat où on était très occupé, I found a place to pray alone by standing behind the door of our classroom. I hold the door open for 15 minutes and I stay behind the door and I pray until about 15 minutes. Then I continue my activities. J'ouvrais la porte de notre salle de classe et je me tenais derrière caché et je priais pendant 15 minutes avant de sortir pour les autres activités. And at night, et la nuit, the boys, les garçons, you had to come and recite one memory verse before you sleep. Even in the school has set that the time for sleep. If you have not recited, you have one memory verse for that day. The law of heaven is stronger than the school. You shall memorize your Bible verse for that day before you obtain my visa for sleep. Chaque garçon, chacun des disciples garçons devait venir réciter son verset qu'il avait retenu ce jour-là avant de dormir, même si l'heure du sommeil officiel était arrivée, pour que tu puisses avoir le ticket d'entrée pour dormir, il fallait que tu récites ton verset du jour. If you have not memorized it, si tu n'avais pas mémorisé, we give you the Bible to stand in the corridor and memorize and recite before you are asleep. On te donnait la Bible et tu partais au couloir mémoriser et revenir réciter avant de pouvoir aller dormir. And because I was a police officer, et parce que j'étais l'officier de surveillance, I recited 5 memory verses every day. Je mémorisais 5 versets que je récitais chaque jour. To them. Je leur récitais 5 versets chaque jour. Before asking them to recite one. Avant de leur demander à chacun de réciter un verset. We were in boarding school. Nous étions à l'internat. We were not meeting as any church. Nous ne suivions pas les réunions ordinaires des églises. On ne se réunissait pas en tant qu'église, pardon. Jesus was good. Jésus était bon. And when we finished the reciting of the Bible, et quand on finissait de réciter la Bible, I went to the nearby plantation. Je me rendais à la plantation de plantain qui était à côté.
near our dormitory, à côté de notre dormitoire, to pray until 11 or 12. Pour y prier jusqu'à 23h ou minuit, before going to sleep. Avant d'aller dormir. They told my principal, on a dit à mon principal that I'm not respecting the lights out. Que je ne respecte pas les règles du dortoir. On a dit au proviseur que je n'allais pas me coucher quand on avait éteint. So he came and waited for me by my bedside. Donc il est venu m'attendre à côté de mon lit. When I finished praying, I came back. Quand j'ai fini de prier, je suis revenu. And he met me. Et il m'a rencontré. Anderson. Il a dit, Anderson, where are you from? Tu viens d'où? As I was in the plantation, I was praying. Je lui ai dit que j'étais dans la plantation de plantain, j'étais en train de prier. He asked me. Et il m'a demandé. Is it were you aware that it is light out? Et il m'a demandé, est-ce que tu savais que c'est l'heure où on devait éteindre pour que les gens dorment? I said yes, please. J'ai dit oui, monsieur. So he asked, he said, okay. Now I'm ready to forgive you for the past. Will you still go tomorrow and pray? I said, yes, sir. Et il m'a dit, maintenant je veux te pardonner. Mais est-ce que demain tu vas continuer à aller prier là-bas? J'ai dit oui, monsieur. So you don't plan to stop even if I punish you. Et il a dit, donc tu ne planifies pas d'arrêter même si je te punis. I said no, sir. J'ai dit non, monsieur. So he said, get your bed. Il m'a dit, va te coucher. Je suis allé me coucher et j'ai dormi. And I continue. Et j'ai continué. Then I heard. Et puis j'ai appris that some believers will pray all night. Que certains croyants priaient toute la nuit. So I gathered my small flock that we should pray all night. Alors, j'ai aussi rassemblé mon petit troupeau pour que nous puissions prier toute la nuit. So he came and saw us. Et il est venu nous trouver. And the problem is that we're praying in a classroom that was dark. Le problème, c'est que nous étions en train de prier dans une salle de classe où on avait éteint la lumière. Our principal had a very unique way of talking. Notre principal avait une manière exceptionnelle de parler. So when he brought, he showed his torch on us. Donc quand il nous a torché, what are you doing here? Que faites-vous ici? Devils, little devils. Petit démon. In a dark room, all by yourselves, boys and girls, devils, you are devils. Dans une salle de classe sombre, garçons et filles, vous êtes des démons, vous êtes des démons. Who is your leader? Qui est votre dirigeant? I said, I, sir. Dites-moi, monsieur. So he told her, say, the rest of you little devils, go to your beds. Et il a dit, vous autres petits démons, allez vous coucher. And he took me to the office. Et m'a amené dans son bureau. Yes, ma'am. Et il m'a demandé. Anderson. Did you ask for authorization to have a prayer meeting and you were refused? Est-ce que tu as demandé la permission pour qu'on te donne l'occasion d'avoir une nuit de prière, une réunion de prière? On t'a refusé? I said no, sir. J'ai dit non, monsieur. Say, did you hear that I was doing rounds of inspection? Et il a dit, est-ce que tu as appris que je faisais les tournées pour inspecter les lieux? I said, yes, sir. J'ai dit oui, monsieur. And he asked me,
Could you not have respected me? Et elle a dit, n'as-tu pas pu, pourquoi ne m'as-tu pas respecté? Ne pouvais-tu pas me respecter? By coming to meet me, en venant me rencontrer, I didn't think about it, sir. Et j'ai dit, je n'y ai pas pensé, monsieur. And I encouraged the others that we should pray because the fear of man is a snare. Et j'ai encouragé les autres à que nous prions ensemble parce que la crainte de l'homme est un piège. He gave me a merited slap. Il m'a appliqué un chiffre bien mérité. We were mad. Nous étions fous. But we were in love. Mais nous étions amoureux. In thinking back, en rétrospective, en pensant en arrière, he was very, very kind. Il était très, très gentil. Because for those who know the rules of a mission boarding school. Parce que pour ceux qui connaissent les règles d'un internat de l'école missionnaire, those were crimes for dismissal. Et cela méritait un renvoi. It's later on that I knew. C'est plus tard que j'ai su. He had been in Brazil, their born again group in University of Sierra Leone. Et il était dans le groupe. Il avait été dans le groupe. Il avait été dans le groupe de croyants du frère Zakin. Il était à l'université en Sierra Leone. So he knew believers. Je connaissais les croyants. That's why he was kind to us. C'est pour ça qu'il était gentil envers nous. And he knew that we were stupid, immature. Et il savait que nous étions stupides, immatures. And he just wanted us to learn how to be orderly and responsible. Et voulait juste que nous apprenions comment être ordonné et responsable. When I came back from Nigeria after Brazil died, I went to thank him. Quand j'étais revenu du Nigeria après le départ du frère Zach, je suis allé le chercher pour le remercier. He was an exceptional educator. C'était un pédagogue exceptionnel. Educate. Un éducateur exceptionnel. I read the New Testament 4 times in those 6 months. Pendant ces 6 mois, là, j'ai lu le Nouveau Testament 4 fois. And the Old Testament 2 times. Et j'ai lu l'Ancien Testament 2 fois. And I was happy. Et j'étais content. I never knew that anybody had to tell a believer that he has to preach every day. Je ne savais pas qu'on avait besoin de dire à un croyant qu'il doit prêcher chaque jour. What does a believer do? Quoi d'autre est-ce qu'un croyant fait? I did not consider preaching every day work. It was, what else will a believer do when he's surrounded with unbelievers? He preaches. Je ne considérais pas le fait de prêcher chaque jour comme un travail quelconque. Parce que pour moi, c'est une tâche normale d'un croyant. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire d'autre quand il est environné de non-croyants partout? It's when I backslid that evangelism became a work. C'est quand j'avais rétrogradé que l'évangélisation était devenue pour moi du travail. But when I believed, mais quand je venais de croire, evangelism was not work. L'évangélisation n'était pas du travail pour moi. It's like when we went to secondary school. C'est comme quand on est allé au collège.
One day, they said, in Form 1, they said, we are, our next class will be literature class. Quand nous étions en sixième, on nous a donc dit que notre prochain cours c'était un cours de littérature. I asked her, what is a literature class? J'ai demandé c'est quoi un cours de littérature. They said we will read a novel. On a dit qu'on va lire un roman. And then they will ask us questions. Et puis on va nous poser des questions après. I said what? J'ai dit quoi? Hey. Is that what they call a study? C'est ça qu'on appelle étudier. I said, we'll sit down in class. Donc là, nous allons nous asseoir en classe. And they will tell us a story. Et on va nous raconter une histoire. And they call that one study. Et on appelle ça étude. I said, oh, school is good. Et je dis, oh, l'école est bien. And I asked, do people fail that kind of subject? Et puis j'ai demandé, est-ce qu'on échoue à ce genre de matière? They told me yes. On m'a dit oui. I said, how can you fail? J'ai dit comment est-ce possible qu'on échoue? They tell you a story. On te raconte une histoire. I ask you what happened in the story. Après on te demande ce qui s'est passé dans cette and histoire. You et tu échoues. And what happened to you? Qu'est-ce qui t'est arrivé? I got the literature prize from Form 1 to Form 5 without making effort. J'ai gagné le prix de la littérature de la sixième en seconde sans effort. Literature was not a subject. Pour moi, la littérature n'était pas une matière. It was relaxation. C'était la détente. When they tell you stories. Quand on te raconte des histoires. Hallelujah. Amen. In the same way when the new life came. De la même manière quand la nouvelle vie entrée. There were some things that were not work. Il y avait certaines choses qui n'étaient pas du travail pour moi. Il y a certaines choses qui n'étaient pas du travail. Like witnessing. Comme rendre témoignage. Witnessing did not have to take 20 minutes. On n'avait pas besoin de 20 minutes pour un témoignage. When I saw a boy toasting a girl. Quand je voyais un garçon en train de faire la cour à une fille. I will walk up to the two of them. Je m'avançais à côté d'eux des deux. I will look at the boy in the eyes. Je regardais le garçon droit dans ses yeux. I turn and look at the girl straight in the eyes. Je me tournais, je regardais la fille droit dans ses yeux. And I look at it. Et puis je les regardais à deux là. I said, remember hell. Je leur disais, souvenez-vous de l'enfer. And I walked. Et je m'en allais. Sometimes they will cry. Parfois ils pleuraient. And look for me. Et me cherchaient. Because they have remembered hell. Parce qu'ils s'étaient souvenus de l'enfer. I helped them remember hell. Je les avais aidés à se souvenir de l'enfer. Just two words. Juste deux mots. And they will be saved. Et ils étaient sauvés. During holidays, pendant les vacances, my eldest brother was living in Limbe. Notre frère aîné vivait à Limbe. And during rainy season in Limbe, et pendant les saisons pluvieuses à Limbe, if you are waiting for rain to stop, si tu attendais que la pluie cesse, something is wrong with you. Ça dit que tu n'étais pas normal. So we would dress up. Donc on s'habillait. In Limbe, it's useless to be carrying an umbrella. À Limbe, c'était inutile de porter un parapluie. We finished dressing, put our Bible in plastic. On finissait de s'habiller, on mettait nos Bibles dans le plastique. We left Mabetta New Layout to go down to Down Beach. On partait de Mabetta New Layout et on allait jusqu'à Down Beach.
And we preach from house to house, street, because those old Anglophone towns, they built street after street. We preach street to street, street to street, street to street. On prêchait de rue en rue, on faisait de porte à porte. One day when Brother Lefanda took me to their house. Un jour quand le frère Lefanda m'avait amené dans leur maison. J'ai dit au frère Lefanda que je suis venu dans cette maison. I preached to one old lady here who loved Jesus and was already a believer. Que j'ai prêché à une vieille femme ici qui aimait Jésus et qui était déjà une croyante. In the Baptist church. Dans l'église baptiste. Lefanda told me that was his mother. Le frère Lefanda m'a dit que c'était sa mère. She had welcomed us and served us food. Elle nous avait reçus et nous avait servi à manger. I did not know how to preach very well. Je ne savais pas très bien prêcher. When we got to the part of the where there were Igbo traders. Quand on arrivait dans le quartier où il y avait des commerçants Igbo. I entered one shop. J'entrais dans une boutique. Je suis entré dans une boutique. I met one Igbo man. Et j'ai rencontré un monsieur Igbo là-bas. I told him, yeah. Let me tell you how I was preaching. When je vais vous dire comment je prêchais. When I got in, I said, good evening, sir. Quand je suis entré, j'ai dit bonsoir, monsieur. I said, you are a sinner. J'ai dit, tu es un pécheur. You fornicate, you lie. Tu commets la fornication, tu mens, tu triches, you steal, tu voles, you blaspheme, tu blasphèmes, you fight, you insult, tu insultes. All the things that I know. Tous les péchés que je connaissais, je lui disais ça. I told him that he committed all of them. Je lui disais qu'il commettait tous les péchés là. That's how. So I will just name the sin. You do, and I will not tell you that. Do you? You do this. You baptize. Je ne demandais pas si tu commets un péché ou pas. Je lui disais juste, tu commets, tu fais tel péché, tu fais ceci. I will, and I will not be repeating the things as in front of him as you. Lister les péchés. You steal. You commit adultery. Tu commets adultère. Tu commets la masturbation. Tu voles. Even though I didn't know how to preach. Bien que je ne savais pas bien prêcher. Yes. Il ne travaillait pas simplement. At one point, the Spirit of God will come down upon an old man, and he will be lifted from his chair and crash on the floor weeping. À un moment de ma prédication, l'Esprit de Dieu descendait sur cet homme, et puis tu vas voir un vieux monsieur comme ça costaud qui va tomber du sol, se mettre à pleurer. And weep and weep and weep and weep and weep. Pleurer. Now tell him. Et après cela, je lui disais, Jesus died for you. Jésus est mort pour toi. His blood will forgive you, cleanse your sins. Son sang va te pardonner, puis te purifier. Ask him to forgive you. Demande-lui de te pardonner. Ask him to forgive you. Demande-lui de te pardonner. And you will ask Jesus to forgive you. Et il demandait à Jésus de lui pardonner. Then he frightened me. One of them frightened me. Et l'un d'entre eux, ça m'a effrayé. It might, l'un d'entre eux m'a effrayé. After he finished coming to the Lord. Quand il a fini de donner sa vie au Seigneur, he just went to his cash office, his cash box, everything that he has sold, he just came and poured on me. Il est allé juste à son tiroir, il a retiré tout dans sa caisse, il a retiré tout ce qu'il avait vendu, il a versé sur moi. Said, thank you for bringing the gospel. Et il a dit, prends ça, merci d'avoir apporté l'évangile. Said, no, 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 j'ai dit, non, 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 monsieur. I said, they don't take money when they preach the gospel. J'ai dit, on ne prend pas l'argent quand on prêche l'évangile. I said, Jesus does not like it. J'ai dit, Jésus n'aime pas ça. Said, Jesus said, freely you have received. Je lui ai dit que Jésus a dit que vous avez reçu gratuitement. Freely give. Donner aussi gratuitement. We love Jesus. Nous aimions Jésus.
and our converts, even when we did not know how to preach, they too, from the time they got born again, they too loved Jesus. An Igbo man that gives you all that he has. Bien que nous ne sachions pas très bien prêcher, quand ils croyaient, ils aimaient aussi Jésus comme nous aimions Jésus. On peut voir un homme Igbo qui, après sa conversion, prend tout ce qu'il a vendu et il donne l'argent. Adieu. Il te donne. Il me donne. Spike, where are you? He ran away. Yes. Come and tell them what you told me today, that about your first love for the Lord, so that the people will not think that it is special for us. You see him now. Take the mic. As simply as you wrote to me, just tell them what you wrote in my SMS. Dis-leur ce que tu m'as envoyé. Since I read the SMS in about 1 minute, puisque your testimony will not last more than 1 minute. Puisque j'ai pu lire ton SMS en 1 minute, ton témoignage ne devrait pas durer plus d'une minute. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est plus facile de chanter devant les gens que de parler, donc pardon, supportez-moi, amen. Le témoignage que j'ai donné au frère Théodore aujourd'hui, the testimony I wrote to Théodore today, parlait de ma proximité avec Dieu. It's about my nearness to God. Dans les moments de mon premier amour avec le Seigneur. During my periods of my first love for the Lord. J'ai expérimenté la présence, je peux dire tangible, du Seigneur. I can say that I experienced the tangible presence of the Lord. Plusieurs fois. Many times. Une fois au culte matinal. Once during the morning devotion. Ma mère nous racontait souvent une histoire. Elle nous disait souvent quand elle était encore jeune croyante. My mother used to tell us that when she was still a young believer, elle avait l'habitude de dire au Seigneur, Seigneur, réveille-moi à telle heure pour te chercher. She used to ask the Lord, Lord, wake me up at this time so that I may seek you. Et comme j'étais très curieux, Ernest, be let you door comme d'habitude. Et comme j'étais très curieux, and since I was very curious, j'ai décidé de mettre en pratique. I decided to put into practice. J'ai commencé à prier de façon répétée plusieurs fois. I started praying repeatedly. Pendant un bon bout de temps, j'ai prié, Seigneur, réveille-moi à 4 heures pour te chercher. For some time, Lord, wake me up at 4 a.m. so that I may seek you. Et à un moment donné, and at the given period, le Seigneur a commencé à me réveiller. The Lord started waking me up. Il y avait des jours en dormant. There were days when while I was sleeping. Une voix criait mon nom à haute voix. A voice would shout my name aloud. Ça s'est passé avec la voix de façon répétée plusieurs fois. It happened this way in a repeated manner. L'une des fois, quand la voix m'a appelé, once when the voice called me, quand le Seigneur m'a appelé, j'ai répondu, oui, papa. When the Lord called me, I said, yes, daddy. Je croyais que c'était mon père, je suis descendu du lit. I thought it was my father who had called me, so I got quand down je suis arrivé au salon, when I went to the parlor, toutes les lumières étaient éteintes et tout le monde dormait. J'étais le seul éveillé. All the lights were switched off and they were sleeping. I was the only one who was awake. Et je me suis souvenu de l'expérience de Samuel avec le Seigneur. And I remembered the Lord brought to my memory the experience of Samuel with the Lord. Et j'ai béni le Seigneur. And I blessed the Lord. Parfois le Seigneur venait chuchoter mon nom dans mon oreille pour que je me relève. At times the Lord would come and whisper my name in my ear so that I may wake up. Et parfois, en dormant, je ressentais une main tapoter mon dos comme ça. And at times, while sleeping, I'll feel a hand tap my back like this. À plusieurs reprises, le Seigneur tapotait mon dos à 4 heures pour que je me relève pour méditer. Many times, the Lord will come and tap my, pick me on the back so that I wake up. Amen. Amen. Donc voilà un peu ce que j'ai expérimenté. So that's a bit of. Et après, j'ai rétrogradé. Later on, I backslid. J'ai tellement rétrogradé que so much that même quand même maintenant, quand je mets le réveil, l'alarme, when I put the alarm clock,
pour me réveiller à 3h30 ou 4h. To wake up at 3:30 or 4 a.m. Il y a des fois quand ça sonne, c'est comme si j'ai envie de casser le téléphone. There are times when it rings, I feel like breaking the phone. J'envoie juste la main sans regarder. Just set my hand without looking. J'éteins et je continue à switch it off and continue sleeping. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Merci beaucoup, Seigneur, parce que j'ai expérimenté, ô Dieu de gloire, ma proximité, la proximité avec toi durant mon premier amour. Seigneur, c'est vrai, tu es réel, tu es réel. Et tu es proche de nous, tu es proche de nous. Seigneur, merci beaucoup pour ton amour. Et je prie enfin que tu me restaures à ton premier amour. Seigneur, je prie pour le réveil. Réveille-moi, ô Dieu de gloire, comme le même réveil à tous les frères, ô Dieu de gloire, de notre communauté. Au nom de Jésus, amen. I'm struck, Lord, by these ways in a boarding school that he used. Oh, Lord, to keep the life going, Lord. Just three times of meeting you in a day, praying in the morning, oh God, with these students. Oh, each one praying a day on his own, and in the evening reciting these Bible passages, oh God. Even these attempts to have an all-night prayer, oh God. Oh, these attempts. Father, thank you, Lord, thank you. Oh, Lord God, for the statement even that heaven's law was above the school laws. And thank you, Lord, thank you. Thank you, oh God, for the principle you gave them, oh God. What an idea of who the brethren were. Oh Lord, I tolerated many things and let them grow, oh God. Thank you, Lord, Father, I'm struck, oh God, and I'm thrilled, oh God. Glory be to your name, because when you come in, oh God, life is bubbling and it must flow out. Oh Lord, blessed be your name for hearing these things in Jesus' name. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Merci beaucoup, Seigneur, pour toutes ces expériences du premier amour avec toi. Seigneur, j'aimerais reconnaître que autrefois je l'ai connu, Seigneur. Mais après, j'ai retrogradé, Seigneur. Seigneur, parce que je n'ai pas d'histoire, Seigneur, à raconter concernant. Ce n'est pas comme ça. C'est même pour ça que c'est difficile parfois de donner certains témoignages. J'ai dit que l'évangélisation, quand j'ai rétrogradé, l'évangélisation est devenue même du travail. Ce n'était pas comme ça avant. Les problèmes que j'avais avec le frère Zach au début, c'est qu'on me cherchait toujours. J'ai abandonné des réunions pour aller en retraite. Si on me cherchait, je suis un jour, même après le mariage, le frère Zach a failli gronder sérieusement Adela parce qu'il attendait que je finisse pour que je revienne pour mériter un bon réprimande. Mais Adela a su qu'on me cherchait. Elle est venue jusqu'à Obala pour me dire que ça chauffe pour toi. Si tu n'es bien pas là, Daddy t'attend. Donc, quand je suis revenu et je suis parti gaillamment pour dire au frère Zach que j'ai. Mes voisins m'ont dit que tu m'attendais. Il a dit qui t'a dit. J'ai dit c'est Adela. Il a grondé plutôt tous les réprimands qu'on gardait pour moi. On a versé sur elle. Parce que le frère a voulu me montrer combien je suis irresponsable. Que si lui suivait tous ses élans spirituels, il va avoir le temps où pour nous bâtir. Parce que ma part, quand ça me prenait, je pars en retraite. Et je reste là-bas, je ne me souviens même pas d'elle.
quand on a commencé à me réprimander qu'il faut que j'aille en retraite, j'ai dit vraiment, regarde comment on peut retourner. La personne qui s'est fâchée de moi, que j'étais toujours en retraite, c'est la personne qui me réprimandait mes poches. Et il y avait des frères qui n'avaient pas d'argent de poche. On mettait ensemble tout ce qu'on avait et on achetait les choses, les provisions ensemble et on distribuait entre nous. Parce qu'il y avait des frères qui étaient persécutés. Et leurs parents ne les donnaient rien. On mettait tout ce qu'on avait et on achetait les provisions de base pour chacun. On n'était pas nombreux. Et on ne considérait pas qu'on est en train de sacrifier quoi que ce soit. C'était la vie normale. C'était la vie normale. Aimer les frères et donner aux frères le meilleur que j'ai n'a pas changé ces 46 ans. J'ai fait tout pour ne pas donner à un frère le sentiment d'une condescendance par rapport à ce que je lui donne. Même si ça m'écoute énormément et la personne pense que ça me vient aisément. Parce que c'est à Christ qu'on donne. C'est à Christ qu'on donne. L'autre n'a pas changé. Et la joie de donner au Seigneur l'autre, là, on n'en parle même pas. Les choses, c'est à voir si ce n'est pas pour donner au Seigneur. Il y a des choses qui sont restées. Dis amen. Il y a des choses qui sont restées. Ces 46 ans, il y a des choses qui n'ont pas diminué. Ça n'a que augmenté à la deux. Il y a des choses que les péchés ont diminué et qui ont créé la régression. Non, ta part n'a pas besoin d'être comme ma part. Dis amen. Parce que ton nom n'est pas le frère Jolo. Hein? Quand j'ai cherché le baptême dans le Saint-Esprit, mon grand frère m'a parlé de sa part. Il a gêné 3 jours. Il est parti un peu en brousse. Et quand il a demandé au Seigneur de le remplir, le Seigneur l'a renversé à terre. Et son esprit est parti au ciel. Il n'a même pas bien parlé en langue. Parce que quand le Saint-Esprit est venu sur lui, il a été emporté au ciel. Quand il me racontait sa part, moi je voulais aussi visiter le ciel. Moi je voulais aussi que ma part soit comme ça. Hein? Bam! Et tu pars au ciel. Je voulais voir même ce qu'il a vu là. Donc quand j'ai demandé au Seigneur de me remplir du Saint-Esprit, ce n'était même pas vraiment le Saint-Esprit que je voulais. Je voulais aussi ma part. Donc je savais que quand on est rempli du Saint-Esprit, on tombe. Hein, et on zoome au ciel. Et quand il est revenu de cette vie, j'ai remarqué des grands changements en lui. Il n'avait pas peur de la persécution. Il n'avait pas peur de souffrance. Les gens qui le menaçaient avec des machettes, c'est comme si la peur naturelle, qui est normale à nous toutes, c'est comme si mon grand frère n'avait pas cette peur. Et Dieu lui donnait seulement les brebis qui étaient sérieusement persécutées. Mais il n'avait pas peur quand les parents se soulèvent, quand les gens se remontent à l'adversité.
quelque chose s'est passé avec ses visites au ciel qui l'a changé. Je ne pense même pas que lui-même, il peut mettre ça dans les mots que je suis en train de mettre. Je ne pense même pas qu'il avait remarqué même qu'il avait changé. Ta part n'a pas besoin d'être comme ma part. Dis amen. Amen. J'ai demandé fatigué, on m'a imposé des mains interminablement pour que je parle en langue. Chaque fois qu'on demande qui va être rempli du Saint-Esprit, je monte. Tout le monde tombe, sauf moi. Tout le monde parle en langue, sauf moi. Juste à ce qu'un frère à Kumba a dit que on doit m'examiner encore si j'ai même vraiment cru. Tout le monde. Je ne voulais pas tomber de moi-même, dis amen. Je ne savais pas qu'on peut même encourager le pasteur en tombant. Pour le rassurer. Donc j'étais comme quelqu'un qui montre qu'il n'est pas vraiment puissant. Chaque fois qu'on priait pour moi, ma part ne donnait pas. On dit ouvre la bouche, tu parles. J'ouvre, rien ne sort. 3 ans. Est-ce que tu veux que ta part soit comme pour moi? Un jour, le baptême dans le Saint-Esprit, dans le sens de parler en langue, est venu sur moi d'une façon drôle. J'ai prié pour une jeune fille, une de mes brebis, que j'avais laissée au secondaire. J'étais au lycée. Et j'avais une liste de tous les ceux-là que j'avais conduit au Seigneur et j'ai prié pour eux régulièrement. Un jour, j'ai prié pour quelqu'un sur ma liste qui s'appelait Esther Etoué. Etoué Esther. J'ai prié pour elle. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais rencontrée. Je savais juste que Satan veut le crier. Et j'ai prié, j'ai agonisé, j'ai lié, j'ai délié, j'ai chassé. Et le fardeau ne faisait que augmenter. À un moment, dans une angoisse profonde pour que Dieu la sauve, j'ai éclaté en d'autres langues. Quand j'ai éclaté en d'autres langues, j'ai dit non, je dois arrêter. Tu as trop entendu les autres parler en langue. T'as pas si ce n'est pas comme ça que ça vient. Ce n'est pas comme ça que les gens qui disent qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, soit on dit qu'on les a imposé les mains, soit qu'ils disent qu'ils ont fini de jeûner et ils ont demandé au Seigneur de les remplir. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire qu'il était en train de prier pour Etoué Esther et subitement, il a été baptisé? Tu vas donner ce genre de témoignage comment? Tu vas, quand les autres m'ont dit qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, tu vas dire ta part là. Non, I'm sorry, I'm speaking again in French. Please, I'm sorry for the public audience. Donc j'ai dit à ma bouche, ferme-toi. Je suis rentré au sujet de prière. Vous priez toujours pour être encore. J'ai encore commencé à parler farouchement en langue. J'ai dit, peut-être que c'est Satan qui me tentait. J'ai lié Satan, lié Satan. Hein? Qui est en train d'interférer avec mon intercession. J'ai lié.
quand je pensais qu'il est vraiment maintenant lié, je suis rentré pour prier encore pour Esther. Et j'ai parlé en langue pendant plusieurs jours. Donc, le parler en langue m'est venu comme d'abord un langage de prière, pas un langage d'adoration comme pour plusieurs. Qui m'a compris? Ta part n'a pas besoin d'être comme la part de... comme la part du frère Dieu. Tu veux fatiguer tous les prédicateurs en venant toujours pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et tu ne tombes jamais. Non, remercie le Seigneur. Parce que moi, j'ai vu quand tu étais éprise du Seigneur. Et il y a certaines choses qui n'ont pas changé depuis ces 2012. Ta part n'a pas. Et qui m'a compris? Seigneur, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, pour cette correction, Seigneur, qui me rassure. Oh Seigneur, merci beaucoup, oh Seigneur, parce que je sais, Seigneur, autant.